Franck Cazzulli. Bonjour Franck. Franck, t'es avec nous? Bonjour. Ah, bien joué. Excusez-moi. Merci, ça fait du bien. Hein. Tu pourras le refaire, Moshé. Oui. C'était la blague à Franck. Et envenimer ne sert encore plus à rien. Ça, c'est très algérien. On est dans pour le compromis. Ah, donc le crapaud ne m'atteint pas. Dafka, c'est une expression typique des gens d'Algérie. Merci. Ok. Ravi Shai. Trois buzz. Moi, je l'ai perdu. Ravi Shai. Ravi Shai. Pudeur, oui, la pudeur, je suis complètement d'accord. Bon, c'est marrant parce que je passe après certains et ils vont croire que je copie toujours les réponses. Je sais pas, moi un exemple, j'étais au supermarché l'autre jour. Alors attends, est-ce qu'on a un jingle Corinne exemple de Corinne? Ah ben non. Comment elle s'appelle, Zezette, hein, dans Zezette le cadre de l'heure. Voilà. On peut arrêter là. Alors, c'est fait. C'est Zezette. Alors, ah, merci. Est-ce que tu es la sœur de Mia Habib, Stéphane? Non, le frère, la cousine? La sœur, non. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ouais. Franck, Mia Habib, c'est un ami. Oui. Et Daniel Haïk? Et Daniel Haïk, c'est un ennemi. C'est un, Il te connaît lui aussi depuis 30 ans, parce que tous tes amis te connaissent depuis 30 ans. Oui. On peut en hébreu? Alors en hébreu, non, dommage à Capelle. Arrête. Oh la maman. Alors, excusez-moi. De savoir comment on prend ces engagements-là. Voilà, on a perdu tout le plateau. En direct, est-ce que tu peux... On n'est pas en direct, arrête de dire qu'on est en direct, on est en différé. On est en différé. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Corinne? Quatrième question. Alors, on y va. Excusez-moi, je peux pas. Alors, on va faire, comme chaque semaine, vous savez que c'est Shimshon qui prépare les interviews, t'es pas au courant, Moshé Aaron? Non. On comprend rien à l'interview, il n'y a que Shimshon qui comprend. Dimanche 15 juillet à 20h. Comme chaque année, donc là cette année, c'est les 13 ans d'Israël Torah, la bar mitzvah d'Israël Torah. Très très important d'être présent pour aider Israël Torah. Écoutez des rabbanim, des très très grands rabbanim de la communauté francophone, Rav Ben Chetrit, Rav Twitou, Rav Ben Arouch, Rav Azar, Rav Raviv, Rav Ishai. Soutenir. Un petit mot de Meir Habib qui sera présent si Dieu veut. Et tout ça présenté et organisé par Shimshon Nathalie et Daniel Haïk. Alors, Ravi Shai, le mot de la fin pour vous, comme d'habitude. Bon, Bezrat Hashem. Il n'y a que lui qui comprend un Ben Chetrit entre nous. Ouais. Dans Dafka, c'était calme. Alors, attendez. La pudeur, c'est la priorité que l'on donne à son intériorité. Oui.